Meilleur buteur du championnat avec 13 buts en 18 matchs, l'attaquant de l'AS Dinguélé avec ses 26 points a raflé la mise devant Daou Youssouf, Blagnon Gouy et Zougoula Kivin. Quatrième lauréat de la saison, Nguessan Yesso succède à Daou Youssouf de la SEC Mimosa, sacré en avril. La cérémonie de récompense a eu lieu ce jeudi 16 juin 2016 au siège de la compagnie ivoirienne de l'électricité. En présence de Fadel Keïta, Akassou Ghislain, Guamini Alain, d'autres internationaux sont venus également apporter leur soutien à la FI dans la promotion de l'excellence. Le lauréat a reçu son chèque de 400 000 francs CFA et des lots du partenaire. Kwadzio Yao Emmanuel, représentant le DG du partenaire de la FI, n'a pas manqué de saluer l'excellence incarnée par ce joueur. Il a remporté deux fois le challenge de l'année dernière et ça doit certainement avoir participé à l'aura qu'il a aujourd'hui et les autres doivent pouvoir tirer exemple sur lui. La FI a pris le pari d'encourager les pensionnaires du championnat national en exaltant leur prouesse. Ce baromètre de performance a aussi le mérite de relever le niveau du championnat. Cyril Domoro et la FI ont encore une fois trouvé par l'entremise des journalistes la pépite du mois de mai et encouragé l'excellence en Ligue 1. Je suis très content et remercie vraiment tous ceux qui ont participé de loin ou de près à ce bonheur que je vis en ce moment-là. Tous nos joueurs qui sont récompensés, bah, c'est les meilleurs joueurs de moi. Et donc pour nous, c'est toujours un moment important de se retrouver ici dans le groupe d'ACU ou même sur les différents stades de la Ligue 1.